Lizzie qui a signé ce titre. Merci, très très belle musique sur votre radio. Et maintenant, on va rentrer bien sûr pour parler un peu plus du savoir-faire ECAM dont on a parlé tout à l'heure avec le directeur de la communication. Il faut dire qu'il est écrivain, anthropologue. C'est monsieur Nkandi, j'espère que j'ai retrouvé. Kesso Ngenti. Ngenti. Glissement de mots. On va finir par se retrouver en tout cas. Alors, on parlait du savoir-faire avant que les formations du CAMECO arrivent. C'est important en tout cas. C'est la radio de l'écho. C'est l'écho de l'info mondiale. Et puis, on est à jour. On se met à jour tant qu'on peut avec l'information telle que ça tombe. Et maintenant, l'autre information, c'est qu'on parlait du savoir-faire et quand. Et on a parlé de qui ils sont. Maintenant, la question que je voudrais savoir, c'est qu'il faut dire ici que et quand d'abord, c'est. On peut dire c'est une culture, c'est une tribu qu'on retrouve dans ce qu'on va appeler globalement les Bantous. Donc, oui. Les Ékandons font partie des Bantous. C'est la raison pour laquelle on les retrouve pas seulement au Cameroun, mais au Gabon, en Guinée équatoriale, au Congo. Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville, Sao Tomé aussi. Alors, qui sont ceux qui font partie hein? Il faut forcément être à l'Ékandon d'abord. Vous faites partie du savoir-faire. J'aimerais apporter une nuance. Bon, comme vous l'avez si bien dit, et quand on se retrouve dans plusieurs pays d'Afrique centrale, et bien évidemment ceux qui sont à la diaspora, c'est de façon prosaïque, on va dire, ce qu'on appelle ici « Betty Boulofan », pour que les gens puissent comprendre, mais qui se retrouvent dans d'autres pays. Il ne s'agit pas d'un repli identitaire sur les écans. Mais c'est de valoriser un talent, un savoir-faire, encourager la compétitivité. D'accord. Je vais vous prendre un exemple simple. Vous voyez le vin Bordeaux, on met sur la bouteille, on écrit « appellation contrôlée ». C'est un label, c'est un savoir-faire bordelais qu'on vend. Ouais. Alors, si vous êtes parisien ou d'ailleurs, vous allez ailleurs, quand on va dire savoir-faire bordelais, vous n'allez pas vous sentir délaissé parce que vous êtes français. Donc, c'est ça la philosophie des camps. Je vais vous prendre même un exemple à côté, là, qu'on appelle le camembert camerounais, qui est du grand groupe Bassam Pobati. C'est le Mintumba. Il est labellisé et on l'appelle. Vous avez aussi le poivre de Pendja. Je peux énumérer les exemples. Et nous sommes donc au savoir-faire écango ouvert à tout le monde parce qu'on travaille, vous pouvez avoir la matière première là-bas, et ainsi de suite. Donc, ce qu'on m'avance, c'est trois choses, me résumer, comme on a été coupé. Annuaire professionnel et publicitaire, c'est pour vendre le savoir-faire, le talent, encourager la compétitivité. D'accord. Si vous avez un événement, vous aussi, vous pouvez l'annoncer via cette plateforme. Vous vous faites référencer dans cette plateforme. Deuxièmement, c'est une marque de luxe et déjà vous allez voir, il y a des polos qu'on vend déjà au niveau du site. Okay. Et on s'est labellisé savoir-faire et quand nous avons des tasses. Okay. Et troisièmement, donc. Ça veut dire que maintenant, puisque nous sommes déjà un partenariat avec le savoir-faire et quand, donc nos polos vont finir par arriver aussi. Bien sûr, vous n'avez qu'à écrire à contact @savoirfairecamp.com et vous serez très bien reçu. Et nous avons, le plus important, c'est l'Académie Fort Betty, qui va donc mettre les gens... Fort Betty, oui, je veux dire sagesse Betty. Donc toujours savoir-faire, c'est synonymique. Et alors, il s'agit de former... J'ai un faible avec tout ce qui est traditionnel, tout ce qui est racine, tout ce qui est culturel. C'est la raison pour laquelle vous faites bien d'être là, vous êtes sur la plateforme culturelle. Merci. C'est bien de parler de ces choses. Voilà. Bétique et la sagesse de... Oui, et c'est une académie. Vraiment, cette semaine, on a commencé. D'accord. Et cette académie va former les jeunes écans pour les rendre compétitifs dans le marché. Vous savez, avec le digital, tout se vend là. Il faut que vous soyez compétitif. Vous pouvez avoir un talent, vous pouvez avoir un don. Vous pouvez être artiste, mais vous n'avez pas une visibilité. L'occasion est donc donnée avec savoir-faire et quand pour que vous puissiez avoir cette visibilité. Bon, nous faisons aussi beaucoup de choses, les cours de soutien aux enfants, etc. etc. D'accord. Voilà, de façon. D'accord. Alors, on va rentrer en musique avec Yannick Ateba, le temps de souffler juste un peu. On reviendra pour ce qui est d'actualité. Hein, chevaux, est-ce qu'il y a un programme en vue? Est-ce qu'il y a une actualité présente qu'il faut qu'on sache? Et puis les contacts hein, pour ceux qui veulent bien bénéficier des services ou encore qui veulent se
rapprocher du savoir-faire et quand c'est juste après cette autre barre musicale. Voice Radio is 103.0 FM. The program is Interface, just like every day from Monday to Friday, 6 to 7:30 p.m. Time for us to configure our equipment, of course, and have fun on the radio, just like we're doing right now. Today, we're talking with Atochiu, the communicator for Savoir-Faire ECAM. Alors qu'on disait qu'il y a certainement des activités, qu'est-ce qu'il y a d'actualité maintenant qu'il faut savoir? Est-ce qu'il y a un programme en vue? Qu'est-ce qui se passe exactement maintenant au sein du savoir-faire et quand? Alors, je voudrais dire tout d'abord, comme on a parlé des deux premiers points qui sont vraiment dans une dynamique, nous voulons lancer l'académie et il y a déjà l'ouverture des préinscriptions. Et les modules de formation sont disponibles dans notre page. Mais avant d'y arriver, permettez-moi, puisqu'on parle d'actualité, il y a deux jours, nous avons été invités à la fête de la fraternité de la ville d'Évreux en France. Nous avons exposé au stand Cameroun. Wow. Ça s'est bien passé. Vous pouvez aller sur notre page, notre site, vous allez le voir. Donc, l'académie vraiment a déjà démarré et vous avez des modules que vous pouvez voir. Bon, nous avons ici... Nous sommes entrés dans la production de l'EADIM Mossomo et ces CD sont aussi disponibles. D'accord. Donc voilà ce que nous sommes en train de faire et nous pouvons aussi dire que notre association est déjà légalisée et nous communiquons sur la légalisation au niveau de la France, bien évidemment, avec la loi des associations qui s'y trouve. D'accord. Alors avant de sortir, il faut dire que vous faites un travail formidable. Hein? Merci. Un travail qu'on pourra encore revenir encore et encore. Sentez-vous de revenir chaque fois pour qu'on puisse en parler parce que c'est ça, même notre culture. Hein? Vraiment, c'est bien ce que vous faites. Maintenant, pour ceux qui veulent bien vous suivre, se rapprocher de vous, encore avoir votre contact. Il y a un contact Oui, nous avons savoir-faire et temps. .com. D'accord. Bon, l'adresse mail contact@savoirfaireecran.com. Nous avons une page Facebook. Vous pouvez suivre et le site, comme je vous l'ai dit, voilà nos contacts. D'accord. Et tout se passe là. Vous aurez tout, plus d'amples informations. Mais voilà, nous avons une équipe. Donc, en France, Diane Boula, la présidente que je salue, je sais qu'elle nous suit depuis là-bas. D'accord. Et bien évidemment, Jocelyne. Qui est ici, qui nous suit également. Bonsoir à vous. Hein. Alors, écoute, tous ceux qui œuvrent pour notre futur, c'est bien de le savoir. Vous ne partez pas, restez avec nous parce que je vais, après avoir échangé avec M. Paul de Zibia, maintenant je vous présente, vous qui êtes acteur de la culture, qui travaille pour notre culture, je vous présente un Camerounais qui n'est pas comme les autres. On dirait que c'est une industrie même, hein, c'est la représentation du talent camerounais, parce qu'il n'est pas seulement ce que vous pensez qu'il est, mais il est aussi celui-là qui fabrique les stars. Hein. Parce qu'il bosse beaucoup pour la culture du Cameroun, il met devant et crée d'autres stars pendant que les gens le connaissent comme la star. Soir, on va découvrir ce... On va parler avec ce genre d'artiste-là, mais qui elle est? Écoutez la musique et suivez mon regard.